Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dolana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage au jour de ce mercredi 24 mai 2023 avec, et comme toujours, et pour commencer, Monsieur le jeu 32. Allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et ben moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce tirage au jour de ce mercredi 24 mai 2023. On commence comme d'habitude avec la numérologie. Donc 24, vous additionnez, 4 et 2. 6, et le chiffre 6 en numérologie nous parle de quoi? Ben, nous parle de conflits. Alors ça peut être des conflits soit pour vous-même, hein, conflit intérieur, mais ça peut être aussi des conflits dans le domaine, on va dire, c'est plus centré dans le domaine familial. Alors familial, c'est vaste, ça peut être soit avec vos parents, vos beaux-parents si vous êtes en couple, ça peut être les parents, une maman ou le papa, ou une belle-mère, un beau-père, ou les deux ensemble. Ça peut être aussi avec un frère, une sœur, une fille, un fils, une belle-sœur, un beau-frère, etc., etc. Donc là, on est dans le conflit. Ça peut être aussi conflictuel dans le couple, pour certains et certaines. Alors c'est vrai que le chiffre 6, c'est plutôt on est fâché, on se dispute, peut-être lié à une problématique, mais alors ça peut être une mésentente, et puis voilà, donc chacun boude, chacun de son côté, mais la bonne nouvelle, pour certains et certaines, s'ils le souhaitent, il y aura une réconciliation. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, mais il y en a d'autres qui voudront peut-être tout arrêter, hein, voilà. Après, tout dépend de la situation de votre couple. Donc là, on est plus dans le conflit, on est plus dans le break, qu'à une séparation définitive. Concernant et malheureusement le chiffre 6, et vous savez très bien que la mère au lait vous dira toujours la vérité, que ce soit dans le domaine de la cartomancie et dans le domaine de la numérologie, le chiffre 6 en numérologie nous parle de décès. Alors soit que le décès malheureusement a eu lieu, soit qu'il aura lieu, donc on dit toujours 3 jours avant, 3 jours après la lune, donc soit vous pourriez apprendre pour cette journée de ce mercredi, soit aussi jeudi, soit vendredi. Tout simplement. Mais ça peut être cette personne qui n'est plus dans ce monde, qui fait partie de votre famille, ben, qui est déjà partie. Et c'est peut-être ça aussi qui génère des conflits concernant dans le domaine familial et concernant un héritage. Tout simplement. Concernant la planète associée au mercredi, c'est la planète Mercure. La planète Mercure est tout ce qui est lié à l'écriture, aux écrits. Donc si on l'additionne, hein, si on l'associe avec ce chiffre 6, ben, ça pourrait nous parler, de recevoir des écrits concernant un courrier recommandé, ça peut être un texto, ça peut être un SMS, voire éventuellement, entre guillemets, un coup de téléphone concernant peut-être à ce chiffre 6, concernant ces conflits, que ce soit dans le domaine du couple, donc du foyer et de la famille, tout simplement. Alors ça peut être des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est lié aux écrits, mais ça peut être aussi pour certains et certaines des mauvaises nouvelles. On va regarder avec Monsieur le jeu 32 ce que lui va nous dire tout simplement. Si ça va ressortir tout ça, on va voir. Hein. Bah oui, et oh. Allez go, c'est parti. Mon kiki, Monsieur le jeu 32, on y va. Mercredi 24 mai 2023. Bon, on est bien dans le contexte familial, mais là, pour d'autres, ça pourrait nous parler d'un déménagement, soit d'un logement social. On a l'as de cœur, on a le 10 de carreau. 10 de carreau et tout ce qui est lié au déménagement, au changement, voire grand changement. Et là, on nous parle de tout ce qui est lié avec cet as de cœur, de l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est vaste, ça peut être soit un déménagement, donc un changement de logement, mais ça peut être aussi un logement social que vous avez demandé. Et là, boum, badaboum, ben, ça va être un grand changement positif pour vous, parce que ça faisait peut-être longtemps que vous attendez ça, et ça pourrait tomber pour ce mercredi 24 mai 2023, je vous le souhaite de tout mon cœur. Donc on peut nous parler de déménagement, de changement dans votre vie, donc tout ce qui est dans le domaine de l'immobilier, tout ce qui est dans le domaine du foyer, tout ce qui est dans le domaine de la famille. En tous les cas, du grand changement, mais positif, d'accord? Donc même s'il y a des disputes, même s'il y a des contraintes, non, j'en ai trop. Donc voilà, d'accord. Il y a du positif pour vous qui arrive, je vous le souhaite. Allez, on va voir si ça ressort, si la coupe ressort, bien évidemment. Alors, bonne nouvelle, j'ai eu Miss Christelle qui va se reconnaître. J'ai bien reçu ma belle. Ça y est, le tableau. Vous savez, le fameux tableau, parce que vous avez la mère au lait à notre boulot. Et Miss Christelle vous a refait tout ça. Donc, j'ai vérifié, c'est bon. D'accord, c'est bon. Alors, je rajouterai peut-être quelque chose sur la feuille que tu m'as envoyée, Christelle. C'est des petits détails comme ça, pour certains et certaines qui veulent apprendre le jeu 32 hein, chez elles, comme ça, hein, les personnes. Comme ça, tout sera écrit, enfin tout, pas tout, parce que sur une feuille, on ne peut pas tout écrire, sinon ça ferait grabouillis, même en faisant ça bien. Donc, on verra, je verrai, même avec toi, Christelle,
si toi tu peux me faire, parce que je ne vais pas demander ça à mon mari, parce que lui, non, on s'en fout. Je vais voir ça avec toi pour faire tout ce qui est association. Les 4 as, les 3 as, etc. Mais voilà. Enfin, si tu veux le faire, tu le feras. Mais je vais t'envoyer un email. Comme ça, moi, je le posterai. Donc là, je vais vous poster. Je vais vous faire ça demain. Je vous le posterai pour la signification du jeu 32. Elle vous a fait ça, mais top. Top, la Miss Christelle. Merci. Bon, on a l'as de cœur hein, qui revient. Hein. On est bien dans le contexte familial. Hein. Donc, ça peut être l'immobilier, etc., etc. Allez, hop. Et je vous referai aussi, je vous referai les tirages parce que je peux refaire, que j'avais fait, parce que je ne vais pas refaire des vidéos. Je vais vous repartager les vidéos que je faisais il y a 2-3 ans sur que ce soit les cartes sous l'oreiller, des tirages à 2 cartes, enfin, la coupe, etc. Comme ça, vous serez tranquille parce que j'ai vu que vous me redemandez. Donc, je vais vous refaire tout ça. J'ai juste à partager, en fait, à remettre la vidéo. Bon, on revient à ce dos de deck. L'as de cœur, dame de cœur, valet de pique. Valet de carreau, dame de carreau, ok, 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 on a quoi derrière? Bon, c'est bon, je fais juste ça. Oh non! La tête, voir ma tête. Oh, c'est le 10 de carreau. Donc, on est sûr de le revoir, celui-là. Vous voyez, le 10 de carreau, il était là. Hein. Je le replace parce qu'avec mes petits bras. Parce que, wali, walou. Voilà, donc ça, c'est hop, je recroise mes jambes. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, là, il y a des choses intéressantes à dire. Hop, hop. Bon, de toute façon, je vais les remettre après. Donc, le foyer, la famille. Donc là, on serait peut-être plutôt dans le contexte familial. Alors, ça peut être hein, tout ce qui est lié à la famille, l'as de cœur. Je vous ai dit en intro avec le chiffre 6. Et là, regardez, bingo, on a la dame de cœur, le valet de pique derrière. Donc là, il y a plusieurs significations. Donc là, peut-être que justement, vous avez une fille, une meilleure amie ou une sœur avec cet as de cœur, hein, puisque c'est la carte de la famille, qui est mauvaise vis-à-vis de vous. D'accord ? Donc, il y a cette dame de cœur qui est collée au valet de pique. Donc là, on peut nous parler que vous avez une fille, une meilleure amie ou une sœur. Mais là, on reste dans le contexte familial puisque l'as de cœur est collée à la dame de cœur qui n'est pas bonne pour vous. Alors, ça peut être cette dame de cœur plus qui n'est pas bonne, mais plus avec d'autres personnes. Ça peut nous parler aussi, autre cas de figure, que vous avez une fille, une meilleure amie ou une sœur qui peut-être veut s'acheter une maison ou un appartement. Et on vous dit tout simplement vis-à-vis de cette dame de cœur qu'elle a des mauvaises fréquentations. Tout simplement, d'accord. Donc là, on peut nous parler de tout ça, mais attention quand même, restez vigilants dans le domaine familial. Je vous ai dit, chiffre 6, conflictuel. On nous parle de nouvelles rapides. Voyez, rebelote Charlotte, on a la dame de carreau. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles très rapides concernant une dame de carreau qui ne vous aime pas. La dame de carreau est la femme perfide. Et là, on a la dame de trèfle, donc c'est vous, mon consultant, ma consultante, concernant tout ce qui est dans le domaine juridique ou dans le domaine médical. Alors, c'est vrai que quand la dame de carreau est accolée à la dame de trèfle, donc c'est une confirmation dans le côté négatif que cette dame de carreau n'est pas bonne pour vous. Mais n'oubliez pas que la dame de carreau peut vous représenter. Vous voyez, quand elle est accolée, on pourrait nous dire que c'est vous, cette dame de carreau, qui ne vous laissez pas faire. Peut-être par rapport à cette dame de cœur, enfin à ce valet de pique et cette dame de cœur, d'accord? Donc là, on est peut-être plus dans le domaine, je vous ai dit, hein, juridique, peut-être dans le domaine d'un héritage. Et là, on voit bien que vous êtes angoissé, stressé, il y a du stress concernant tout ce qui est lié au déménagement. Peut-être une envie de changer de pays, de changer de région, en tous les cas, c'est bien un projet hein, et qui va se faire rapidement, d'accord? Donc les choses vont bouger pour vous dans ce domaine-là et on l'a vu, hein, bon, cette carte est tombée, c'est le 10 de carreau, mais on en reparlera après. Et on l'a vu, de toute façon, quoi qu'il arrive, à tout ce qui est d'ordre lié au déménagement. Hein. On avait le 10 de carreau et l'as de cœur. Bon, on y va. Bon, roi de cœur en dominant. Alors, le roi de cœur nous parle de qui, de quoi? Nous parle de votre homme de cœur ou votre femme de cœur, vous inversez bien évidemment, qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love, qui vous adore. Mais il peut être représentatif d'un papa. Si vous n'avez plus votre papa comme la dame de pique, il vous protège de là-haut. Allez, go. On nous parle, oh, on peut nous parler d'une belle rencontre dans le domaine professionnel. On peut nous parler d'une rencontre d'un homme ou d'une femme si ce n'est pas dans le domaine sentimental. Enfin, si c'est dans le domaine sentimental, mais pas dans le domaine professionnel, ben que c'est un homme qui est peut-être patron ou patronne, qui a sa propre entreprise ou en tous les cas, qui est stable financièrement, professionnellement. Magnifique. Concernant le domaine familial, donc là, le roi de cœur, hein, qui est considéré comme votre papa, peut-être il y a une donation, il y a un partage, il y a un gain, il y a une somme d'argent là, hein, d'accord? Peut-être lié à un héritage. Allez, on continue. Waouh, génial. Nouveau départ. Alors, pour certains et certaines, on pourrait nous dire aussi
qu'avec votre compagnon ou futur compagnon, votre future compagne ou votre compagne, peut-être une envie de travailler ensemble. Hein. Là, il y a quelque chose de magnifique. Ça peut être aussi votre mari, votre femme qui a ce projet de se mettre à son compte ou tout simplement va avoir une belle opportunité dans le domaine professionnel, soit une offre d'emploi, une élévation professionnelle. Donc là, on est plutôt pas mal dans le domaine financier, dans le domaine de la famille, mais de votre côté à vous, côté positif. Là, je n'ai aucune carte négative, donc ça, c'est magnifique. On continue avec joie et bonheur. Nous avons ce beau neuf de cœur qui nous parle, comme je viens de le dire, de joie et de bonheur. Donc là, on peut nous parler vraiment de quelque chose de magnifique dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. C'est vrai que le 7 de cœur, j'ai oublié de vous le dire, hein, c'est la carte de la naissance, on repart sur de nouvelles bases, de nouvelles vies. C'est le renouveau, c'est le changement de vie, c'est magnifique. Mais ce 7 de cœur peut nous parler d'une belle rencontre aussi, dans le domaine sentimental, d'une réconciliation avec un ex. Ça peut nous parler de grossesse et vous pourriez apprendre une grossesse autour de vous. Qui va vous susciter, qui va vous mettre en joie? Bon, alors là, comme le roi de cœur, la dame de pique est représentative de votre maman, à condition aussi, si elle est toujours là, eh bien, elle peut vous annoncer de bonnes nouvelles ou alors elle sera heureuse pour vous. Par rapport à la situation, par rapport à des projets, hein, peut-être parce que vous allez devenir maman, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. En tous les cas, elle est contente pour vous. Si elle n'est plus votre maman, elle vous protège de là-haut. Mais cette dame de pique peut vous représenter, à condition que vous soyez veuve, divorcée, célibataire, que vous ayez plus de la cinquantaine. Donc, on peut nous parler de bonnes nouvelles pour vous. Il va y avoir de la joie et du bonheur. Waouh ! Bon, comme je vous ai dit, hein, c'est le 10 de carreau qui est là, nous apporte deux grands changements, deux déménagements. Alors, ça peut être une maman qui pourrait vous annoncer, si vous avez toujours votre maman, qu'elle va déménager ou alors se rapprocher de vous, ou alors c'est vous qui allez vous rapprocher. Ça, cette dame de pique, comme je vous le disais, elle peut vous représenter. Donc, il va y avoir du grand changement pour vous, du déménagement dans l'air. On peut nous parler aussi, dans le domaine sentimental, qu'il peut y avoir une distance entre cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer. Donc là, on peut nous parler d'un homme ou d'une femme qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous en âge ou légèrement plus âgé, ou du même âge que vous, mais qui a un petit peu ce côté immature. Mais en tous les cas, c'est un personnage qui s'habille bien, qui s'apprête bien, qui est plutôt bien coiffé, qui s'occupe de lui, qui s'occupe d'elle. Donc là, pas de problématique là-dessus. Sinon, le valet trèfle, s'il n'est pas dans le domaine sentimental, on peut nous parler dans tout ce qui est dans le domaine de l'association. Association, n'importe quoi. Alors, il faut, si je dis ça, ça se trouve, c'est une personne qui fait partie d'une association, vous allez le rencontrer dans une association. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, bon, c'est sorti tout seul. Hein. Alors, vous prenez vraiment, ça peut être parlé pour certains et certaines. Donc, je reviens dans tout, pas dans l'association, mais ça pourrait, dans tout ce qui est administration, pardon. Donc administration, mais tout ce qui est lié à l'administration, c'est vaste. Hein, ça peut être un conseiller bancaire, ça peut être tout ce qui est aussi lié au juridique, etc., etc. Mais en tous les cas, c'est une personne qui porte un uniforme, enfin qui s'habille bien, un costume, on va dire, qui est bien habillé, qui sera présenté à vous bien. D'accord ? Donc ça, c'est cool. On nous parle d'invitation. Donc ça peut nous parler d'une invitation amoureuse. On peut nous parler de quelque chose d'inattendu. Donc vous pourriez, cet homme ou cette femme, ou même tout simplement avoir un coup de fil concernant cet homme ou cette femme qui est lié, qui fait partie de l'administration, qui va vous annoncer de bonnes nouvelles, mais de façon assez inattendue. On peut nous parler aussi d'une invitation concernant un fils, un meilleur ami ou d'un frère concernant ce valet de cœur. Et ça peut être aussi lui qui est peut-être surpris ou agréablement surpris. On peut nous parler derrière ce valet de cœur d'un 8 de trèfle, on peut nous parler des nouvelles de votre fils, de votre meilleur ami ou de votre frère qui va vous annoncer qu'il a rencontré quelqu'un, une jeune femme brune. Alors ça fait une brune, une blonde, une rousse, on s'en fiche. Hein. En tous les cas, pour l'instant, je n'ai pas de négatif. Je n'ai pas de négatif hein, dans votre tirage, magnifique. Donc ça peut nous parler aussi de remboursement. Est-ce que vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère qui vous doit de l'argent? Alors ce serait une petite somme. Ou alors dans tout ce qui est dans le domaine administration. Hein. Vous voyez, là on a les deux cartes là. Donc le 8 de trèfle, c'est tout ce qui est lié à l'administration. Vous allez être dans les papiers là. Vous allez avoir beaucoup de papiers pour certains et certaines. On nous parle quand même de blocage. Il y a peut-être un remboursement dans le domaine financier, je vais y arriver. Problème peut-être financièrement concernant un remboursement. Vous avez du mal à vous faire rembourser. Alors là, c'est vrai qu'on ne parle pas de grosses sommes. Bon, j'ai quand même le 9 de trèfle. Ça peut nous parler de blocage concernant cette jeune femme brune. Et ça peut nous parler aussi de tout ce qui est blocage dans le domaine de l'administration. C'est peut-être ça aussi que vous allez recevoir des nouvelles. On nous parle de blocage concernant un déplacement. Donc, peut-être que je pense que vous allez devoir vous déplacer. C'est pas très loin de chez vous. Et oui, et le déplacement, ça va vous énerver. Donc là, je pense que vous êtes un petit peu angoissé. On termine quand même avec ce 7 de carreau où il y a de la colère. Bon, c'est pas bien méchant puisque
qui est vraiment ennuyeux pour vous, c'est la colère concernant un blocage. Il y a un document qui bloque, alors ça peut être d'ordre familial, hein, peut-être une situation qui est bloquée, si on revient en intro avec le chiffre 6. Mais là, j'ai l'as de cœur qui est en dos de deck, donc là, j'ai pas trop d'impact, mais ça serait plutôt quelque chose qui est bloqué et ça vous agace. C'est pas bien méchant, on va la recouvrir de toute façon et on va recouvrir la carte du blocage. Alors, on va faire les associations de cartes. J'ai pas d'as, ok. En roi, j'en ai qu'un, en dame, j'en ai qu'une, en valet, j'en ai deux. Alors, deux valets, ça nous parle qu'on s'inquiète. On est un petit peu inquiet. Ça serait plutôt de la colère, moi. Bon, j'ai pas eu bite de pique, dans un sens, tant mieux. Ensuite, en 10, j'en ai un, et puis c'est tout. Ok. En 9, j'en ai un, j'en ai deux. Ok. De 9, ça nous parle de petit gain. Ok. Je vous l'avais dit avec le 8 de trèfle. Petit remboursement, etc., etc. En 8, j'en ai un. J'en ai deux, waouh, j'en ai trois. 3-8, ça nous parle de mariage, 4-8, 3-8. C'est qu'on vous demande de vous occuper de vous. Ensuite, alors quand je dis vous occuper de vous, peut-être que vous avez pris un rendez-vous chez votre esthéticienne, coiffeur, coiffeuse, etc. Ou pour un soin, un massage, etc., etc. En 7, on termine donc avec les 7. J'en ai un, j'en ai deux. Ok, bah de 7, vous allez recevoir une nouvelle, mais généralement pour moi, elle va être bonne, hein, puisque je pense que c'est les documents. Je vous ai dit, on a la planète Mercure. On verra avec Monsieur Papu si ça ressort. Donc, je recoupe ces deux cartes-là. Bon, colère parce que vous êtes dans l'attente de nouvelles. Hein. Donc, les nouvelles vont arriver. Hein. D'accord, le valet de carreau vient adoucir ce 7 de carreau. Et les blocages, ça vient bien de cet homme ou de cette femme ou de plusieurs personnes qui vous bloquent. Hein. Des gens malsains, manipulateurs, etc., etc. On a quoi? On a de l'angoisse, du stress. Il est là, lui, de pique. Parce que vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre la poudre d'escampette ou alors vous êtes dans l'attente d'un document pour pouvoir déménager ou concernant un logement social. Bon, ça va bouger. Zen. Allez, tirage au jour de ce mercredi 24 mai 2023. On y va. Monsieur, le jeu de 54. Hop, hop, hop. Waouh. 2-5, direct. Alors, 2-5, c'est qu'on va vous donner de la force. Magnifique. Magnifique carte, côté gauche, 5 de carreau. D'excellentes nouvelles vont venir vers vous. Hein. Ça peut nous parler dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine financier. Accompagné d'un 5 de cœur, grande joie, bonheur, mariage, bébé. C'est deux 5 réunis, donc on vous donne de la force. Là, on va vous donner de l'énergie hein, pour ce mercredi 24 mai 2023. Allez, trois petites cartes. Hop, hop, hop. Oh, on a 2-3. On a 2-2, mais celui-là, je ne le compte pas. Alors, on a le 2 de trèfle, on a le 3 de cœur et le 3 de pique, et on a un 2 de cœur. Alors, le 2 de cœur nous parle de quoi? De belles réussites. Les rêves se réalisent enfin. Alors, je vous fais les 2-3, sinon je vais oublier. 2-3, ça nous parle que vous allez pouvoir profiter de vos amis. Il va y avoir des moments vraiment partagés. Il va y avoir du bonheur, hein, là. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, hein, je vous le souhaite en tous les cas. Hein, parce que là, déjà, les 2-3, on avait les 2-5 tout à l'heure, on vous donne de la force. Là, on vous dit de profiter avec vos amis. Alors, en plus, on a le 2 de trèfle qui nous parle plaisir, divertissement. Vous allez pouvoir être enfin soulagé. Le 3 de cœur nous parle de chance en amour, chance dans les affaires, de réconciliation. On termine quand même avec un 3 de pique qui nous parle quand même, c'est un petit peu embêtant ce 3 de pique parce que lui, il vient nous retarder les choses. Hein. C'est des choses qui sont retardées, repoussées, il va falloir être patient. Ça peut nous parler aussi du 3 de pique de retrouvailles avec une personne du passé. Donc, pourquoi pas se laisser tenter. Après, c'est vous qui voyez, c'est pas la mer au lait. Non. Allez, go! Tirage du jour de ce mercredi 24 mai 2023 pour le sentimental. Hop, 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 c'est parti, mon kiki, waouh. Il va y avoir du déménagement dans l'air. Hein. Alors, on a des décisions à prendre quand même. Hein. On a la carte du carrefour et là, on a la carte du voyage. Donc, c'est comme la carte du 10 de carreau. Donc, il va y avoir du changement, il va y avoir du déménagement. Là, vous allez prendre votre envol. Mais on a quand même des choix à faire et ça vous stresse. C'est comme si vous pourriez avancer. Là, on vous donne l'opportunité. Et vous avez cette décision à prendre, mais vous n'êtes pas trop sûr. Et là, vous êtes dans l'échec. Et on vous dit chaque chose en son temps. Vous prenez votre temps hein, et vous allez les recevoir, les nouvelles. Hein. Alors, est-ce que c'est dans le domaine sentimental? On parle bien de vous, hein, mon consultant, ma consultante. Hein. Alors, est-ce que si c'est dans le domaine sentimental, cet homme ou cette femme, il y a de la distance entre vous? Vous avez dit tout à l'heure, un petit peu de distance peut-être entre vous. On va voir si ça ressort là dans votre tirage en croix. Hop, 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 la mer roulée. On vous dit chaque chose en son temps. Hein. Bon, il est là, elle est là. Retour au calme, retour de l'ex pour certains et certaines. Il y a un petit peu d'instabilité. On voit qu'il y a un petit peu de... Vous voyez, on ressort cette carte de voyage. Hein. Donc, vous allez devoir trancher. Hein.
Qu'est-ce qui vous rend instable? Ce voyage, cette distance? Il n'y a pas de grande distance que ça, en fait. Hein. Bon, il y a des nouvelles. Bon, vous êtes... Bon, il y a une très forte connexion entre vous deux. Hein. J'ai ce miroir magnétique. Mais je vais juste... Alors, le temps... Ouais, magnétique et la femme. Non, je ne sais pas. Je vais la retrouver après. Ah, ce sont vos amis qui vont un peu vous rendre... Mais ça ressort un peu, je crois, un peu comme le tirage d'hier, je crois, avec vos amis qui vont vous protéger. Ça ressort beaucoup en ce moment. Hein. Mais pour certains, il va y avoir beaucoup de changements. Hein. Ça ressort. Hein. Voilà, je retrouve mes cartes. La mer, olé, olé, olé. Olé, olé. Là. Hop là. Alors, mes amis célibataires, vous allez bel et bien faire une rencontre. Il est là, elle est là. Ça sera le retour au calme, le retour au bonheur. Enfin, vous allez être heureux et heureuse. Mais on a juste derrière l'instabilité. Qu'est-ce qui crée cette instabilité? Ce sont vos amis. Alors, peut-être que vos amis vous protègent. Peut-être que justement, ils disent « Fais attention, prends ton temps. » Parce que là, ça va bouger. On a cette carte du voyage. Il y a peut-être un petit peu de distance entre vous. Mais là, je pense que vous allez être cash. Vous allez être déterminé. Donc là, hop. Mais on vous dit quand même, chaque chose en son temps. Il y a de la nouvelle, il y a de la communication. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux de site de rencontre ou alors pas du tout? Il y aura beaucoup de communication, mais en tous les cas, il y aura une très forte connexion. Donc ça, c'est génial. Mais vous allez prendre votre temps quand même. Hein. Alors, peut-être que justement, Monsieur l'Oracle des Miroirs vous demande de prendre votre temps. Vous, vous allez foncer, mais il n'y aura pas trop d'impact. C'est pas méchant. On reverra avec les autres cartes ce que ça donne. Mais là, il y a vraiment quelque chose où vous voulez vraiment vivre pleinement cette belle histoire qui vous attend. Et vos amis, peut-être, sont là pour un petit peu voilà, vous titiller, pas méchamment, mais vous prendre conscience qu'il faut prendre son temps. Et ils ont raison, mais peut-être que vous êtes entêté, têtu, et puis ben voilà, vous foncez, quoi. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pardon, donc il est là, elle est là, il y aura un retour au bonheur, ça y est. Il y a les amis qui vous protègent malgré que... Vous êtes un petit peu instable parce qu'il y a peut-être un petit peu de distance. C'est peut-être ça qui vous tracasse, mais en tous les cas, les amis sont là pour vous protéger. Et là, on vous demande de trancher. Donc là, vous allez trancher, mais on vous demande peut-être que c'est peut-être lui ou elle, hein, parce que la carte du verdict, elle est quand même à côté de cet homme ou de cette femme. Hein. Donc, il ou elle pourrait aussi vous demander de trancher. Et voilà. Alors, c'est peut-être lui ou elle qui va un petit peu trop vite aussi. Hein. Mais bon, quoi qu'il arrive, on vous dit dans le temps, hein, il y a une très forte connexion, beaucoup de communication et vous allez être collés, serrés. Magnifique. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on nous parle que votre mari, votre femme est là. On nous parle de retour au calme, de retour d'une situation. Il y a eu quelque chose qui vous a peut-être déstabilisé, peut-être par rapport à votre mari, par rapport à votre femme, peut-être par rapport à une situation, par rapport à lui, parce qu'on a un verdict. Vous avez le soutien quand même de vos amis, mais peut-être que ça vous gonfle un petit peu. En tous les cas, il va y avoir du grand changement. D'accord, mais il y a un verdict. Alors, est-ce que vous avez un mari ou une femme qui est en procédure, peut-être dans le domaine professionnel? Là, on parlait avec ce mercredi 24, hein, 2023, le chiffre 6, peut-être dans le domaine familial. Mais on vous dit que chaque chose en son temps, les choses vont se mettre en place tout doucement et se remettre bien, il y aura le retour au calme. Donc, zen. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer. Donc, vous, vous êtes là, mais ça peut être aussi... mais là, je pense que c'est vous. Ça pourrait être votre futur ex-mari, futur ex-femme. Mais là, pour moi, c'est vous. Parce que là, on a bien ce retour au calme, ce retour au bonheur. Malgré que ce divorce vous rend un petit peu instable, vous avez le soutien de vos amis. On voit que suite après qu'il y aura le verdict, hein, de toute façon, c'est prononcé, c'est la carte de la réponse, il y aura du grand changement, hein, pour vous. Vous allez pouvoir enfin respirer. Et on vous dit chaque chose en son temps. Et il y aura des bonnes nouvelles concernant le divorce et vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, il est là, il est là. Il y a le retour au calme par rapport à une situation. Peut-être que c'est un peu tendu dans votre couple, là. Peut-être que c'est vous, je pense que c'est vous qui êtes un petit peu tendu. Vous avez le soutien quand même de vos amis, mais vous êtes un peu cash aussi. Vous vous écoutez quand même avant. En tous les cas, on nous parle peut-être qu'il y a distance entre vous, mais en tous les cas, il y a du changement. Mais là, on voit bien que vous êtes dans l'attente de ce verdict, de cette séparation de votre futur, on va dire, mari ou femme, hein, quand il ou elle sera divorcé, bien évidemment. On vous dit chaque chose en son temps, donc zen, tranquillou. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Bon, bah vous, c'est radical. Hein. Il est là, elle est là, retour direct. Malgré que son retour vous rend un petit peu instable, les amis sont là pour vous protéger, mais peut-être là aussi pour vous titiller. Mais en tous les cas, grand changement, il y a peut-être un petit peu de distance entre vous, mais en tous les cas, vous allez être cash. Hein. Il y a une situation où vous êtes tranchante. Bah alors, non, je ne la recouvre pas. Non, je n'ai pas envie. Voilà.
Non, ça sert à rien. On voit que c'est vous qui allez faire les choses, la cache. Allez, on y va, monsieur l'oracle de la Sibylle. Trois petites cartes, complément. On va peut-être avoir le complément d'information, justement, avec cette carte de verdict, enfin, avec monsieur l'oracle de la Sibylle. Allez, mercredi 24 mai 2023, monsieur l'oracle de la Sibylle. Oh, il y a une méchante femme, là, il y a une dame de carreau. Et elle n'est pas contente parce qu'elle a peur de perdre son argent. Alors, peut-être que vous venez de rencontrer un homme ou une femme qui est mariée, enfin, qui a des soucis là, avec une femme, en tous les cas. Hein. Alors, ça peut être aussi vous. En tous les cas, on a un set de trèfle. Méfiez-vous parce que pour celles et ceux qui sont en triangulaire ou pour celles et ceux qui viennent de rencontrer un homme ou une femme mariée, bon, là, ça serait plutôt un homme puisque la dame de carreau, on l'a, elle ne s'inverse pas dans le côté, on va dire, dans le côté masculin. Donc là, faites attention, il y en a une qui pourrait vous appeler, hein. Donc là, on a le 7 de trèfle, c'est tout ce qui est lié à la communication, texto, etc. Donc, attention, elle ne sera pas contente. Hein. Alors, ça peut être insulte, ça peut être très, très violente dans ses propos. Donc, voilà, parce qu'elle va se retrouver avec plus rien. Enfin, un petit peu d'argent. Mais là, on vous dit, vous voyez, elle va s'en rendre malade. Hein. Mais même vous, hein, peut-être que ça pourrait vous contrarier. Vous voyez, il y a un déménagement, un changement là. Hein. Il y a une femme pas bonne. Alors, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, on vous dit clairement, vous avez une femme pas bonne. Et on vous dit de ne pas prêter de l'argent. Hein, parce que cet argent-là, vous ne la reverrez pas. Donc, attention. Oh, eh bien, elle ressort. Hein. C'est fou, ça. Hein. C'est chiant, elle. Ouais, maladie. Hein. Vous êtes inquiet ou inquiète. Hein. Alors, le 8 de pique, hein, c'est tout ce qui est lié à la santé, mais d'ordre physique ou psychologique. J'ai quoi derrière? Bon, il y a de l'absence, là. Vous n'êtes pas bien parce que cet homme ou cette femme, vous ne pouvez peut-être pas le voir et ça vous rend malade. Donc 6 de carreau, c'est quand même la situation où vont se débloquer, c'est les signatures de contrat. Alors peut-être que pour certains, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, ce 8 de pique et cette absence, et bon, j'ai le contrat derrière, donc ça va, et j'ai le 3 de trèfle, donc c'est la carte des bonnes nouvelles. Donc ça peut nous parler aussi de choses qui vont se débloquer concernant si vous étiez dans une période courte ou longue durée de chômage, les choses vont se décanter, ça vous rend malade malheureusement, mais là les choses vont se décanter puisque on a l'as de pique. Donc direct, on voit bien que ça a été retardé, ça a été long pour vous. Sinon, dans le domaine sentimental, on nous parle d'une blonde, mais ça peut être une blonde, une rousse, hein, parce que là, j'ai le 8 de cœur, donc la carte du 8 de cœur est la carte de la jeune femme blonde. Mais en tous les cas, on nous parle d'une blonde, là, une femme, en tous les cas, qui, bah, alors ça peut être une amie, qui va vous soutenir par rapport au chagrin, par rapport à une femme qui veut vous mettre des histoires ou qui va faire des histoires dans le domaine sentimental. D'accord ? Donc là, faites attention, il y a du chagrin. Alors ça peut être aussi cette femme qui est chagrinée et ça pourrait vous impacter. Mmh. Ouais, ce qui vous tracasse, c'est tout ce qui est en lien à l'homme de loi. Alors, concernant peut-être une procédure pour certains, donc là, on vous dit que vous avez une amie qui vous soutient concernant une procédure. On voit que vous êtes inquiète ou inquiet. Ça peut nous parler concernant un divorce. Hein. Vous êtes inquiet, inquiet. Et là, on nous parle, ouais, l'inconstance. Il y a des tracasseries, là. Hein. Vous vous tracassez. On a l'instabilité, les tracasseries. On a le 6 de pique, risque de conflit. Hein. Attention aux collègues. Attention à la jalousie. Attention aussi dans le couple. Hein. Ça peut être des disputes, mais passagères, c'est pas méchant. Mais faites attention. Vous voyez, en plus, on a l'ennemi, là. Hein. Personne pas bonne, là. Hein. Elle est vilaine, elle. Ouh, la vilaine. Oh, il y en a partout des vilaines. Oh là là, sacrée vilaine. Allez, tirage du jour de ce mercredi 24 mai 2023, monsieur Béline, c'est parti mon kiki, hop hop hop. Oh, vous avez besoin de repos. Alors là, ça, vous voyez, quand vous avez ces deux cartes-là, on a le repos, on a l'hôpital, ça peut nous parler d'une hospitalisation. Vous allez, pour certains et certaines, ben, prévoir une hospitalisation, et il faudra beaucoup de repos, il va falloir vous reposer. Donc quand c'est comme ça, alors pour certains et certaines, ça peut nous parler, hein, le cloître, hein, c'est la carte de le cloître. Non, monsieur Béline, c'est la carte de la prison, c'est la carte de l'enfermement, c'est la carte des blocages, c'est la carte de l'hôpital. Mais là, avec la campagne, la santé, donc pour moi, pour certains, vous allez devoir vous reposer. Peut-être que vous allez apprendre aussi qu'une personne de votre famille, parce que là, on nous parle d'un héritage, donc l'héritage, c'est tout ce qui est lié à la famille. Peut-être que justement, là, il y a une personne qui est en fin de vie, qui est à l'hôpital. Ou alors, tout simplement, ça peut être une personne qui va aller en EHPAD, voyez. Vous voyez, il y a des pleurs. Hein. Moi, pour certains, vous allez avoir la protection, ou alors vous avez la protection d'une personne. Moi, il y en a, ils vont perdre un, y a quelqu'un. On vous demande d'être sage. Hein. Bon, vous avez les honneurs. Alors, ça peut être aussi une personne qui, malheureusement, n'est plus là. Et là, on parle d'héritage et vous allez être déçu. Hein. Vous avez la protection, ça va bouger pour vous. Ouais, là, il y a plusieurs cas de figure. On va voir si ça ressort.
Il y a de l'infidélité dans l'air. Quand vous avez l'accident et la passion, il y a de l'infidélité dans l'air. On vous demande d'être sage, d'être prudent et prudente. Bon, vous avez les honneurs, ça ressort. On parle de vous, mon consultant, ma consultante, ou de la personne avec qui vous êtes ou avec qui... Ouais, vous avez du mal à vous détacher d'une personne, là, enfin d'une relation. Pour certains et certaines... Alors moi, je vous dis la vérité, moi, je suis cash. Hein, vous savez, moi, je vous dirais toujours la signification des cartes. Voilà, ça plaise ou ça plaise pas, c'est comme ça. Mais moi, au moins, je suis honnête avec vous, je dis la vérité. Là, il y a plusieurs cas de figure. Accident, passion, départ. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous êtes avec votre mari, votre femme. Et alors, je dis le mot. Hein, malheureusement, vous avez vécu une relation, il y a eu adultère. D'accord ? Je vous le dis cash. Parce que quand vous avez ça, c'est... Voilà. Et par contre, avec cette personne, vous sentez que ce n'est pas clair ou alors cette personne, elle est partie. Ou alors, c'est vous. Vous savez que cette relation ne peut pas durer parce que ce n'est pas de l'amour. Alors, il y a de l'amour, certes, mais c'est de la passion. D'accord ? Et qui dit passion, généralement, la passion, ça ne tient pas. Et là, on vous demande d'être sage, on vous demande de vous calmer, d'être dans la sagesse. Si vous le faites, il y a les honneurs par rapport à cette personne ou par rapport à votre mari, votre femme. Mais vous avez du mal, moi pour moi, c'est avec la personne que vous venez de rencontrer. Parce que vous allez avoir du mal à vous détacher, vous voyez. Bon, après, il y a la notion d'argent, les petits cadeaux, etc. Mais là, voilà. Alors, pour d'autres, si ce n'est pas... Alors là, c'était dans le domaine sentimental. Je suis désolée, la vidéo va être longue, hein, je suis désolée. Mais moi, je dis clairement les choses. Pour d'autres, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, on peut nous parler d'un accident de route, un accident de vie, un accident de travail. Si c'est dans le domaine professionnel, pourtant vous aimez votre profession, d'accord, mais vous allez devoir partir. Vous serez inapte. Vous voyez ce que je veux dire? Suite à un accident du travail. Concernant la route, peut-être que vous avez eu un accident et malheureusement, vous allez devoir soit... Il y a une situation là qui vous perturbe. Là. On va la recouvrir de toute façon. Je vais être obligée de la recouvrir toute. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui vous demande à partir ou alors c'est la personne. Il y a des décisions à prendre là, hein, d'accord? Pour résumer. Ça va être terrible hein, pour certains. Vous voyez? Là, il y a une situation pour certains. Vous allez soit suite à un accident de route, il y aura hospitalisation. Hein. Il y a opération là, hein, d'accord? Vous allez recevoir quand même des bonnes nouvelles, hein. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, il y a peut-être une relation qui a pris fin. L'homme ou la femme est parti, mais vous allez en recevoir des nouvelles. Ou alors, vous allez avoir un éclaircissement. Ou alors, vous allez devoir être dans la communication. Et voyez, on vous dit sur du retard, il y a quelque chose qui se fera, mais vous serez soit vous obligé de partir, soit lui ou elle dans le domaine sentimental. Pour d'autres, dans le domaine professionnel, ce n'est pas dit que vous retravaillez dans ce domaine-là. D'accord ? Peut-être une... Voilà. Il y aura quand même la gloire hein, derrière, hein, la renommée. Donc, il y a toutes les chances de s'en sortir. Mais il y aura un nouveau départ. D'accord? Ben oui, hein, moi je dis toutes les significations. Hein, je vous le dis, moi. Ah ben tiens, parce que moi je suis honnête. Je dis la vérité, je dirai toujours la vérité. Il y en a, ça plaît pas. Après, il y a une façon de dire les choses. Je suis d'accord. Mais voilà. Et puis c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Allez, monsieur Grand Tété, on va voir ce que lui va nous dire. Mercredi 24 mai 2023. Bon, on a du déménagement dans l'air. Là, on a la ville. Donc là, vous quittez une situation, vous quittez un endroit pour aller dans un autre. On a quoi, là? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a le 10 de coupe, hein. Magnifique. C'est l'abondance absolue. Bonheur à l'état pur. Et regardez ce qu'on a à côté. On a un 5 de bâton. On a l'or. Concernant peut-être un procès, mais là, vous avez la richesse. Donc là, on a un 5 de bâton. Alors, c'est vrai que le 5 de bâton nous parle de quoi? Nous parle de confusion. Ça peut bouillonner à l'intérieur de vous. Il peut y avoir de la compétition. Je vous ai dit, ça peut être un conflit intérieur. Hein. On a quoi derrière? Eh, vous avez la fortune. Hein. Il y a quelque chose qui est bon. Hein. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Hein. Alors pour certains, vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles parce qu'on a la carte du militaire. Aussi, des nouvelles aussi. Faites attention de gens, étant donné que vous avez gagné. Peut-être un procès, je ne sais pas. Et vous avez eu vos indemnités. Faites attention, il y a des nouvelles de personnes qui viendraient, mais fausses. D'accord? Donc, du balai. D'accord? Hop. Il y a une belle union, hein. Il y a de l'amour hein, par rapport à cette relation, hein, je vous ai dit. Là, hein.
On a le 10 de denier, hein. On a la maison. Hein. Alors le 10 de denier nous parle de quoi ? Nous parle tout simplement d'abondance absolue. On avait le 10 de coupe, c'était l'abondance absolue, l'amour. Là, ça peut nous parler de tout ce qui est lié à la famille, l'héritage, les richesses, les opportunités, etc., les contrats, etc. Vous avez tout bénef dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. On a une très belle union. On a une union. Hein. La personne, elle est sincère avec vous. On a un 9 de coupe et on vous dit... Ça va vous donner de l'énergie et de la force. Vous avez cette force. Hein. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait les 2-5. Hein. Et les 2-5, c'était on vous donne la force. Je ne les recouvre pas. Tiens, nada. Sûrement pas, c'est des belles cartes. Oh, bah tiens. Allez, le père Papus. On y va. C'est parti. Mon kiki. Mercredi 24 mai 2023. Ah oui, demain, je vous fasse le tirage pour le travail. J'ai trop de boulot. Mercredi 24 mai 2023. On a 10 de coupe, hein. Magnifique, 10 de coupe, abondance absolue, ça ressort, bonheur à l'état pur, concernant quoi ? On va vous demander de venir à la barre concernant un procès. On a un 10 de bâton, mais qui est à l'envers. Donc quand il est à l'endroit, le 10 de bâton comme ça, on vous dit que vous en avez marre, vous supportez trop les choses, vous êtes fatigué, ben là, c'est, vous allez dire les choses, vous allez être cash. Et ça, c'est peut-être suite à une trahison. On nous parle d'un signe du mois de juin. Donc juin, c'est Gémeaux et Cancer, ou alors c'est la partie adverse. Mais en tous les cas, vous allez dire les choses, vous allez être cash, et on va vous donner raison. Génial. Parce que là, on a le 10 de coupe. On a le mois d'août, c'est Lion et Vierge. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Cool. Dans tout ce qui est dans le domaine d'une procédure. Hein. Ou alors, concernant une personne hein, qui est face à vous, et puis vous allez lui dire crotte, et puis hop, elle ne pensait pas que vous allez lui dire crotte, en étant poli. Et puis en fin de compte, elle va... partir. Ouais, génial. Vous avez la fin d'une situation, là. Ça y est, c'est clôturé, c'est acté. On a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée nous parle de choses qui sont rapides. Les choses peuvent se mettre en place rapidement, mais attention à la précipitation. On reste calme quand même, d'accord ? On a quoi derrière ? On a des décisions à prendre. On a l'arcane majeur, l'amoureux, mais il est à l'envers. Enfin, il est comme ça, quand vous le voyez. Donc là, pour moi, vous avez des décisions à prendre, mais vous n'allez pas mettre longtemps hein, à les prendre. On nous parle d'un arcane majeur, l'empereur. Donc, on nous parle de Jupiter, c'est la planète chance. Hein. Il y a un événement heureux qui va venir vous arriver. On nous parle de protection. Mais l'empereur, c'est tout ce qui est lié au travail. Donc, vous allez retrouver votre stabilité professionnelle, peut-être financière aussi. Pourriez-vous mettre à votre compte avec cet arcane majeur de l'empereur. Ça peut être une belle rencontre dans le domaine sentimental. Enfin, une belle rencontre, oui, dans le domaine sentimental, mais dans le domaine professionnel, hein, une belle rencontre. On nous parle de solitude, on nous parle de lueur d'espoir. On a quand même ce 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée nous parle de repos, de guérison. On l'avait vu avec M. Béline, hein, rappelez-vous, à la coupe. Hein, il me semble, oui, c'était concernant peut-être suite à une hospitalisation, une opération, on vous demandait de vous reposer. Mais là, suite aux événements qui vont arriver vite... mais on vous demande quand même de ne pas vous précipiter avec ce cavalier d'épée. Donc là, on a le 4 d'épée qui nous parle de repos, de guérison, de solitude. On se pose, on laisse faire les choses. Magnifique. Et en signe, on a quoi ? On a un signe du mois d'octobre. Donc, balance et scorpion. Et on termine avec qui ? Avec quoi ? On nous parle, maintenant c'est à l'envers, on nous parle qu'il y a une situation qui prend fin, clôturée, signée, actée. On a le 4 de denier qui nous parle de stabilité. Vous allez retrouver votre stabilité. Vos contrôles des finances vont être mieux. Vous allez pouvoir reprendre votre vie en main. Dans le domaine sentimental, on pourrait nous parler de personnes qui éradinent ou une personne qui ne s'exprime pas. Mais en tous les cas, on nous parle d'un signe du mois de janvier, Capricorne et Verseau. Et il y a des choses qui sont signées, actées et on n'en parle plus. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Hein. Allez, ça c'est fait. Et on termine avec le petit tarot des bohémiens. Je ne sais pas combien, 38 minutes. Ouais, bah 40 minutes, j'ai fini. Ça va, hein. Bah tiens. Ah non, hein. J'ai dit il y a 40 minutes, j'ai fini. On a le valet d'épée qui nous parle de communication. Un peu de communication, mais un petit peu ce côté enfantin dans le domaine sentimental. Donc, on peut nous parler, certes, de communication. On discute. Mais c'est un homme ou une femme qui a peut-être du mal à s'exprimer. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un projet qui commence à mûrir. Alors, ça peut être par rapport à une nouvelle relation ou le retour d'un ex. Mais ça peut être aussi le domaine professionnel, si vous voulez vous mettre à votre compte. Allez, le petit tarot des bohémiens, c'est parti, mercredi 24 mai 2023, waouh, génial. On a la dame de bâton qui, elle, nous parle de force. C'est une femme qui est chaleureuse, qui est stable, qui est protectrice, qui est aimante, intuitive. Elle peut vous représenter, mais ça peut être une amie qui vous protège. On a le 9 de pique, mais il est à l'envers, donc tout ce qui était blocage du balai. On a le 9 d'épée, zou, c'est parti aussi. Donc le 9 d'épée, c'est qui, c'est quoi, quand il est à l'endroit, comme ça, on nous parle de dépression, de déprime, de tristesse, d'angoisse, d'insomnie, on n'est pas bien. Et là, tout ce qui était justement déprime, dépression, tristesse, angoisse, insomnie, zou, du balai. Et puis, il y a une personne qui va vous aider. Oh, j'ai la patate, moi. Maintenant, parce que j'aime bien, parce que ça se déroule bien.
c'est fluide. On a l'arcane majeur, l'amoureux. Alors là, il est à l'endroit. L'amoureux, c'est qui? C'est les incertitudes. On se pose, on réfléchit. D'accord? Donc, alors ça peut être concernant une décision, concernant un choix amoureux. Mais là, il y a des décisions quand même à prendre. Et on vous dit, prenez votre temps quand même. Je vous ai dit, hein, pas de précipitation. Même si c'est positif, on ne perd pas le nord. Bon, ben, elle ressort, elle est au milieu, magnifique. On a un 6 de bâton qui est magnifique. Un 6 de carreau, magnifique. On a un 2 de carreau, 2 de bâton, magnifique. 6 de carreau, c'est qui, c'est quoi? Ben, lui, il nous parle tout simplement de tout ce qui était blocage, enfin tout ce qui était bloqué, ben, ça va se débloquer avec ce 6 de carreau. C'est les signatures de contrat. Non, il est là. C'est le 2 de carreau, pardon. Je suis bête. Le 2 de carreau, donc, mais de toute façon, je vais le redire après. Donc, le 2 de carreau, c'est des décisions à prendre. Vous allez prendre les bonnes décisions. On a ce 2 de bâton qui, lui, nous parle de réflexion. Vous êtes réfléchi, vous avez le choix. Ça peut nous parler d'un grand voyage aussi, hein, le 2 de carreau. Donc, il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger. Donc, je répète, hein, le 6 de carreau, c'est des choses qui vont se débloquer, signature de contrat. Et le 6 de bâton, c'est quoi? C'est le succès, le triomphe, c'est la victoire. On est reconnu, mais attention, on doit garder les pieds sur terre. Vous êtes aidé par rapport à cette dame de bâton. Hein, je le répète, la dame de bâton, c'est une personne qui est forte, qui est chaleureuse, qui est intuitive, qui est protectrice, etc., etc. Elle peut vous représenter, mais moi, pour moi, je dirais plutôt une amie. Et on finit en beauté, on a un 9 de cœur qui nous parle de quoi? Ou un 9 de coupe. Le 9 de cœur, c'est la joie, le bonheur dans Monsieur le jeu 32. Et le 9 de coupe, lui, nous parle de tout simplement de quoi? Nous parle vraiment, là, il y a vraiment quelque chose où on nous parle vraiment, mais d'abondance, mais dans tout domaine. C'est l'abondance dans la santé, dans l'amour, dans le foyer. On est comblé, nouvelle rencontre, réconciliation, etc., etc. Bon, ben, je crois que je vous ai fait la totale dans toute signification, là. Bon, en tous les cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Mais il y a des bonnes choses qui vont arriver, je vous le souhaite. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, ben, comme d'habitude, la mère Rollet vous aime, vous qui vous love, vous adore. Et puis, on se retrouve demain. Ciao, ciao. Bye, bye. Gros bisous.